Te wagen 17. Marty et Mini. Ouais, incident au virage de Pouhon entre Marty et Mini qui était aux alentours du top 10. C'était là-bas que c'était chaud hein, dans le cœur du peloton. Vraiment, ça se bagarrait ferme. Eh bien, Pépé Marty et Gabriel et Mini ne pourront pas aller chercher une bonne opération avec un autre incident. La numéro 22, celle-là, c'est Ido Cohen avec une autre voiture qui est sortie. Est-ce que c'est là aussi dans la descente vers le double gauche? Non, c'est Marty qui vient, c'est un autre incident apparemment, un deuxième incident après celui entre Marty et Mini. Marty vient s'excuser, je me demande si ce n'est pas en revenant sur la piste que Marty est venu eh bien, percuter Ido Cohen. Vu le body language là, de Pépé Marty, je pense que c'est le cas. Nouvelle procédure, safety car. Nouvelle procédure, safety car. En de pubertjes zijn netjes opgevoed hoor. Want Pépé Marty ging zich verontschuldigen bij Cohen in wagen 22. Die staat daar midden op het circuit geblokkeerd. Dit is Pépé Marty, de 102 punten op de derde positie. Hij kan het niet geloven. We zitten natuurlijk in de finale van het seizoen, hè? Finale einde. Begin september in Monza tijdens de Italiaanse Grand Prix. Dat is de nog resterende marge in het kampioenschap. Alleszins, er moet gewerkt worden. De wagen van Mini, de wagen 15 en de wagen 22 van Cohen moeten weggehaald worden van het circuit. Daardoor hebben we nu de neutralisatie, dat zien we hier gebeuren. Dat Mini probeerde weg te rijden. Daar kwam dan Cohen aan. En een contact kon niet meer vermeden worden door Cohen in wagen 22. Ja, yeah, collision there between Pépé Marty. Oh dear, he rejoined. And straight into Ido Cohen. Marty had had that collision with Mini. Pépé Marty, a former race winner. And as he rejoined, he collected Ido Cohen's car. And absolutely, the first thing he did was go over and apologize because he's that sort of a guy, is Pépé Marty. But he is absolutely in bits about that incident, taking out Ido Cohen. Oliver Goethe has also got involved somewhere. He's also stopped. So we've had a few retirements, but the safety car is back out again to recover those two cars of Marty and also Cohen. Und nach einem schönen Überholmanöver von O'Sullivan in Lecombe, Kurve für Platz 7, haben wir einen Kontakt zwischen Marty, Dritter im Meisterschaft, in Double Gauche-Kurve mit Mini und dann mit Cohen. Zweiter Kontakt für Marty, also hier geplant und dann jetzt also Safety Car und so gut. Und im Moment haben wir lieber auf Platz 1 Colette, auf Platz 2 Barnard, auf Platz 3 Aaron, auf Platz 4 Schreppia, auf Platz 5 O'Sullivan, auf Platz 6 Colette, auf Platz 7 Barnard, auf Platz 8 Zürich. Ausgeschieden, Mini, Marty, Goethe, Cohen und Montoya und also noch 25 Minuten zur Verfügung. Oui, plusieurs incidents, hein, évidemment, on a vu la confirmation de ce qu'on pensait avec Pépé Marty qui était reparti trop tôt en ne voyant pas arriver Ido Cohen dans le double gauche et qui s'est excusé immédiatement et on a vu sur ces images très fortes quand même la réaction à cette colère contre lui-même pour Pépé Marty. Il sait qu'il vient de perdre peut-être des points très précieux dans l'optique du championnat, en sachant qu'avec 44 points de retard, il ne pouvait pas vraiment se le permettre. Et la nouvelle, c'est que personne n'a été touché hein, dans cet incident, il n'y a que du dégât matériel. On revoit d'ailleurs l'incident dans un premier temps avec Gabriele Mini pour Pépé Marty qui, quelques instants plus tard, eh bien, va repartir de manière un petit peu trop précipitée, comme on est en train de le voir ici. Là, ça repart et hop, Ido Cohen qui arrive et qui vient le percuter. Image très.
Excuses, pardon Guy, et les excuses immédiates évidemment qu'on vient d'entendre de Pépé Marty. Autre incident, Oliver Goethe également, on n'a pas vu ce qui s'est passé, abandon. Et comme il y a eu beaucoup de mouvements dans la courte séquence au drapeau vert, le classement est le suivant: Colette, Barnard, Aaron, Edgar, O'Sullivan, Colapinto 6e, Barter 7e, Tsolov 8e, Beganovic 9e et Bortoletto qui fait son entrée dans le top 10. We hebben aardig wat opgevers hoor. In de wedstrijd missen we Gabriele Mini, wagen 15. We hebben Marti, wagen 23, dat zagen we. Oliver Goethe staat ook langs het circuit in de problemen. Ida Cohen, zagen we, de aanrijding net gebeuren. En Montoya in de beginfase van de wedstrijd, die zijn we al kwijtgespeeld in deze wedstrijd. Op die korte periode dat we groene vlag hadden, want dit is al de tweede neutralisatie van de wedstrijd als u ons net komt vervoegen hier rond het circuit. Colette, Barnard, Aaron, Edgar, O'Sullivan, Colapinto, Barter, Tsolov, Beganovic, Bortoletto, Browning, Fornaroli, Sossi en Sofia Fleusch, 14e. 10 plekken gewonnen in de wedstrijd. De Freule Duitse op de 14e positie. Wagen 29 is dat. Dan volgen Garcia, Simonazzi, nieuwkomer in het kampioenschap en zo verder enzovoort. De wedstrijd nog steeds in neutralisatieboom. So number 18, a 10 second time penalty there for causing a collision. That is the Gomez and Montoya. He's pretty much in the back anyway, he's in 23rd. And another chance. Up 10 places. Well done, Sofia Fleusch. Garcia, Simonazzi, newcomer to the championship, up 13 places in 16th place. We are on lap 6. Entscheidung der Rennleitung, ein 10 Sekunden Zeitstrafe für Villa Gomez für den Unfall mit Montoya am Beginn des Rennens. Noch 6 Runden zu fahren und wir haben im Moment Colette, Barnard, Aaron, Edgar, O'Sullivan, Colapinto, Barter, Tsolov, Beganovic und Bortoletto. Das war für das Top 10. Avec pénalité de 10 secondes pour Villa Gomez après son incident avec Sébastien Montoya plutôt dans l'épreuve. C'était lors du premier tour, hein, tout simplement. Il est de toute façon 23e. C'était déjà ce qui s'annonçait être un mauvais résultat. Ça ne va évidemment pas faire ses affaires à Raphaël Villa Gomez. On a déjà eu un point sur le championnat. Mais c'est vrai que Zach O'Sullivan, avec la 5e position, ne reprendrait que 5 points pour l'instant à Bortoletto. Alors comme on voit ici à l'écran, Oliver Goethe qui avait été touché, hein, problème à l'arrière gauche, certainement suite à un contact. Cette course, elle est quand même un petit peu frustrante à suivre évidemment, puisqu'on a eu beaucoup plus de temps sous drapeau jaune que sous drapeau vert. On est reparti pour une nouvelle procédure safety car. Les commissaires de piste déjà bien à pied d'œuvre pour la première course du week-end. Les conditions qui s'assèchent évidemment légèrement et l'objectif c'est de garder les pneus à bonne température dans ces conditions quand même assez fraîches, assez humides et à rythme évidemment réduit. On a passé techniquement et concrètement le cap de la mi-course, on est dans le 7e des...